Nous allons établir le portrait robot du malfaiteur. Sur cet écran, nous allons essayer de reconstituer le visage de Fantômas tel que vous l'avez vu et d'après les indications que vous pourrez nous fournir. Je retiens donc toute votre attention. Éteignez. Projection, envoyez. D'abord les yeux. Reconnaissez-vous ces yeux? Non, je reconnais pas du tout. Et la bouche? Reconnaissez-vous cette bouche? Non, les lèvres. Et les cheveux? Reconnaissez-vous ces cheveux? Et le nez? Reconnaissez-vous ce nez? Ah, moi, si, si. La dernière, c'est le bon, alors un peu de silence, nous reprenons depuis le début. D'abord, les cheveux. Les cheveux. Non, c'est pas ça. Non, reconnaît-il ses cheveux? Non, c'est pas cela. Il avait les cheveux coupés très courts et même un peu dégarnis sur le dessus. Oui, hein. Oui, qu'un rapport. Ah oui, là, sans aucun doute. Alors, c'est allez-y. Les nez. Ça va être difficile. Plus long. Et puis plus grosse. La bouche. Non, c'est pas la bouche. Cette bouche-là, non, il avait une bouche beaucoup plus fine. Oui, plus large. C'est ça, une bouche creusée. Les yeux. Ah non, c'est pas ça du tout, son regard était plus sadique. Oui, féroce, une vraie déco. Tout à fait cette expression de brute dégénérée. Assez! Assez! Silence!